Trio féminin originaire du Nouveau-Brunswick, les Hey Babies s'est rapidement fait un nom. Portés par le succès de leur EP Folio, les trois musiciennes ont plus de 150 spectacles au compteur. En attendant leur tout premier album prévu ce printemps, Ruby les a croisées lors de leur passage à Contact Ontario. La chimie, au début, qui allait vraiment bien. Puis là, ben, comme anybody else, t'as comme, après un bout, t'as des petites tensions, whatever, mais rien de grave du tout, là. C'est trois filles qui se la routent, c'est sûr ça. Que... Puis là, ben, on dirait, on a reaché un plateau ici, il y a vraiment plus de ça, c'est vraiment pour comme... Pour des filles, on est pas mal... On est pretty chill. Ouais, pas mal bonne. Ouais, puis pas de quatre, right. Ouais. Vous êtes chacune des artistes solo. Pourquoi avez-vous choisi de fonder un groupe? Ça nous est arrivé une fois de jammer ensemble, puis on finissait tout le temps dans les mêmes événements, puis c'est ça, ça nous est arrivé de jammer, puis on était comme, je voudrais faire une band ou quelque chose, puis quand le temps est venu, ben, on l'a fait. Vous êtes inspirée de quel artiste? Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune? Danielle Bélanger, c'est une raison que j'ai décidé d'écrire en français. Ah oui? Qu'est-ce qui t'a fait accrocher à Danielle Bélanger? Son écriture, j'étais très visuelle pour le son aussi, puis les couleurs que ça me faisait voir, c'était... Ouais. Moi, comme au secondaire à l'école, comme c'était presque comme abominable d'écouter de la musique en français. C'est comme juste pas cool. À mon école, c'était la même chose. Fais-toi-en pas, je te comprends. Puis c'est ça, comme... J'ai été voir un spectacle de Pascal Lejeune, c'est un autre Acadien. Puis comme c'était comme presque la première fois que j'entendais du monde comme chanter en chiac ou chanter comme qu'on parle, puis ça m'a rate. J'ai trouvé comme c'était... Je les ai vus puis je suis comme, ouais, c'est sans cool. Ça, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec qu'est-ce qu'ils font. Puis, je trouve ça cool puis je vais embarquer. L'usine appelle les hommes. S'il n'y a pas toutes les belles infirmières. Quand on a comme vraiment commencé à pratiquer peut-être avec la band, après comme trois semaines, on a commencé à avoir des offres. Pour aller jouer des shows. Tout de suite, ça a pogné tout de suite. Ouais, ça commençait que comme Viviane était comme la pire conductrice jamais, puis elle est devenue comme la meilleure. On s'habitue, c'est ouais, ça. Ouais. C'est elle qui chauffe quand on est en Europe, puis c'est comme encore plus comme, tu sais, ça teste, là, c'est des petits chemins. En effet. C'est comme compliqué, ouais. Mais... Ah non, j'allais dans la poche, là, je l'ai... Ça solidifie la chimie dans l'équipe aussi, j'imagine, de se promener tout dans la même voiture comme ça. Ouais. Ouais, notre première tournée, on était dans une petite Peugeot comme des années 80, là, puis comme, je pense qu'on a fini le char, là, vraiment. Ouais, là, ouais. Puis, c'est ça, on était toutes proches, on n'avait pas de place pour nos bagages, on était comme toutes poignées, puis on savait pas où qu'on s'en allait, puis notre GPS était en allemand. Puis, Oh my God! Ouais. C'était juste comme vraiment broche à foin, c'est encore un peu broche à foin, juste comme ça notre style. Et là, en décembre dernier, vous êtes entrée en studio pour enfin enregistrer votre premier album complet qui va être lancé en avril. On a très hâte. Parlez-moi des thématiques que vous allez aborder sur votre nouvel album. Nous autres, avec le EP qu'on avait fait deux ans passés, c'était plus des chansons qu'on avait faites quand on était toutes solo. Il y en a quelques-unes qu'on avait travaillées ensemble, mais là, on est plus confortable avec quoi que le son des Hey Babies. Donc, l'album, c'est un petit peu plus... C'est les Hey Babies, c'est ça que ça sonne comme. Puis, il y a beaucoup de thèmes de la route. Qu'est-ce que être sur le chemin, qu'est-ce que ça nous fait. Parce que vous avez l'expérience de le faire. Oui, mais c'est ça, que... c'est tout ce qu'on a vu là, dans les derniers deux ans. Ouais. Puis on a des chansons banales, tu sais, comme de... Justement, notre char, il fonctionne plus parce que... C'est puis, ça. Puis il y a aussi d'autres chansons comme juste... C'est juste des sujets, tu sais, des personnages, puis des affaires comme ça. Fait que... Des gens que vous avez rencontrés, peut-être? Oui. Mais c'est surtout inspiré du fait que... On est comme trois filles modernes qui vivent dans une région comme rurale, un petit peu urbain, qui se développe, puis comme on met notre spin là-dessus, puis ça va s'appeler le chemin de la vie avec les hippies.